Che sono soddisfatta dei risultati e dei traguardi che in questi due anni abbiamo raggiunto per l'Italia. Le paysage politique italien est passé à un bipolarisme, plus ou moins. C'est-à-dire qu'après la législature dernière, avec trois gouvernements de signes différents, Meloni a réussi à reporter la droite au pouvoir et donc à réinstaller une sorte de dialectique entre droite et gauche, donc un clivage traditionnel. C'est intéressant d'observer que le gouvernement de Meloni, c'est le septième gouvernement plus long de l'histoire de la République, parce que normalement les gouvernements sont très petits, et sa popularité est intacte. Elle reste la première personnalité politique préférée par les Italiens, et aussi en ce qui concerne les partis de gouvernement qui sont plus ou moins au même niveau que l'issue des résultats de 2022. Et même Fratelli d'Italia a gagné un petit peu par rapport à son résultat aux élections législatives. Donc ça veut dire que l'opinion publique est restée plus ou moins figée au résultat qui a amené Meloni au pouvoir. Cela s'est produit aussi parce que l'opposition n'a pas réussi à structurer une proposition cohérente et vraiment alternative. Elle ne donne pas l'idée de pouvoir gagner les élections si demain on retourne aux urnes. Donc tous ces éléments font aussi que pour l'instant l'opinion publique reste figée à 2022 après deux ans. Après on sait que l'opinion publique italienne peut rapidement changer d'avis et donc on rentre dans la deuxième partie de la législature, ça sera le plus dur pour Meloni parce qu'elle devra confirmer les attentes qu'elle a suscitées dans l'opinion publique italienne. Elle a structuré son action gouvernementale en deux volets. Le volet économique, très mainstream, hein, beaucoup plus qu'on pensait au début. Elle a fait des lois de budget plus ou moins cohérentes avec la situation financière italienne, qui est une situation difficile avec un déficit qui a énormément augmenté après la pandémie. Et elle a réussi à éliminer une série de primes, notamment la prime pour les restructurations immobilières qui avait complètement plombé le budget et le bilan public. Donc ça a été un gouvernement, d'un point de vue fiscal, plus ou moins conservateur. Elle n'a pas cramé la casse, comme on pouvait imaginer au début de son expérience de gouvernement. Elle a renié certaines propositions, notamment elle n'a pas changé le système de retraite. C'est beaucoup plus difficile qu'avant de partir avant l'âge légal qui reste 67 ans. Par contre, sur la situation identitaire, sur les politiques sécurité, elle a été beaucoup plus dure, beaucoup plus proche d'un gouvernement de droite dure. Elle a augmenté les délits, augmenté les peines. Elle a aussi un problème à niveau de surpeuplement des prisons et aussi de surpeuplement des instituts pour mineurs qui commettent des délits. Aussi, en ce qui concerne, par exemple, la gestation pour autrui, la GPA, elle a rendu cette pratique un délit universel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Italie peut poursuivre des citoyens italiens qui vont à l'étranger, par exemple aux États-Unis, pour avoir des enfants. Donc en ça, son gouvernement a été très conservateur. Et enfin, sur l'immigration aussi, Meloni a montré le visage dur. Elle a passé des accords, notamment avec la Tunisie, pour diminuer les départs. Elle a réussi en ce sens, parce qu'en 2024, les arrivées sur les côtes italiennes ont diminué par rapport à 2023. Mais surtout, elle a inauguré les centres de détention et de répatriement en Albanie, donc externalisant la gestion de l'immigration, qui ont commencé à moitié octobre et qui donnent déjà beaucoup de problèmes à niveau juridique. Pour l'instant, c'est un échec. Elle n'a pas réussi à amener énormément de migrants en Albanie. Donc, le verre est à moitié vide en matière d'immigration. Giorgia Meloni a compris qu'en 2022, son profil pouvait susciter des questions, notamment pour son parti, hein, qui est un parti post-fasciste. Et donc, elle a misé énormément sur l'atlantisme. Elle a soutenu l'Ukraine, elle s'est alignée aux desiderata des Américains. Et donc, elle a montré la capacité de rester sur la position traditionnelle de l'Italie en ce qui concerne les questions internationales. Donc, atlantisme, mais aussi européisme. C'est-à-dire qu'elle a accepté de jouer le jeu en Europe. Elle a noué une relation très forte avec Ursula von der Leyen. Elle a réussi à participer à certaines décisions à niveau européen, notamment la gestion de l'immigration, le changement du pacte sur l'immigration reflète en partie les positions
position de Meloni. Et aussi, même si elle n'a pas voté pour l'alliance traditionnelle en Europe entre PPE, les libéraux et les socialistes, elle a quand même réussi à avoir une vice-présidence à Bruxelles avec son ministre des Affaires européennes, Raffaele Fitto. Donc, elle a réussi en quelque sorte à devenir un visage normal de la politique internationale, aussi parce qu'elle est la présidente du Conseil italien. L'Italie est parmi les pays fondateurs de l'Union européenne. Donc, elle a réussi à ne pas devenir une source de problématiques à l'intérieur de l'Union européenne, comme l'est par exemple Viktor Orban. Elle a choisi de participer au jeu mainstream européen. Après, c'était inévitable probablement pour la situation financière italienne, mais aussi pour la situation politique italienne. Désormais, en Italie, personne ne veut sortir de l'Union européenne, personne ne met en cause la participation à l'Union européenne.